Oui, je sais, je suis chiant. Nouvelle vidéo pour vous présenter une autre fonctionnalité que je viens de découvrir il y a pile poil quelques secondes. Il faut aller dans son et vibrations et vous avez l'assistant son. Vous avez deux options. La première que je vais activer, c'est de pouvoir gérer indépendamment le volume d'une application en particulier. Par exemple, si vous avez Discord et YouTube d'ouvert en arrière-plan pour écouter votre musique pendant que vous êtes en appel, vous pouvez faire en sorte, bon, c'était déjà possible parce que Discord utilise le volume d'appel, mais par exemple si vous avez Twitch d'ouvert en arrière-plan et que par exemple vous êtes sur WhatsApp, vous voulez faire en sorte que vous entendiez vos messages vocaux sur WhatsApp un peu plus fort que Twitch, ça va notamment être possible. Et la deuxième solution proposée, c'est, je ne sais pas si vous savez, mais quand vous lisez une musique, par exemple, et que, par exemple, quelqu'un vous envoie un message vocal sur WhatsApp, lorsque vous allez lire le message vocal, la musique en arrière-plan, elle va se baisser. Ben, cette option permet d'éviter ça. Petite fonctionnalité utile. Pourquoi pas, en vrai. Allez.